Hey, ben c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire le remplissage du mois de mars. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que vous allez bien. Je remonte un petit peu, comme ça ce sera plus facile. Que tout se passe bien pour vous. Que vous arrivez enfin tout doucement à la fin de votre mois. Puisque moi, je sais que je suis un peu plus tôt en règle générale que tout le monde. Et là, on va faire ce que j'adore, c'est le remplissage. Il était temps de finir le mois de février. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon bilan du mois de février, je vous le mettrai en haut à droite. Et ben, sans plus attendre, on va remplir directement. Donc, on va remplir peut-être les épargnes avant. Et après, on fera le mois et la semaine en même temps. Comme ça, c'est plus facile. J'ai bien sûr, à côté de moi, mon copion avec mon budget du mois de mars. Parce que bon, je ne ferai pas tout de tête. Donc, à chaque fois, et ça, je vous le conseille pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Quand vous faites un remplissage comme ça, que ce soit des défis, des épargnes, ce que vous voulez, à chaque fois, moi, ici, par exemple, une fois que je vais faire, je vais avoir mis dans l'enveloppe école, je vais mettre un petit V à côté. Surtout que, vu que je fais la vidéo et que je parle, je vais être distraite. Je le sais très bien, je sais comment je suis. Donc, je préfère comme ça que d'aller fouiller à chaque fois, me dire est-ce que j'ai mis. Si peu que pour le même prix, vous n'avez pas mis en plus noté sur votre tracker, vous ne savez plus où vous en êtes. Bon, j'ai pris mon petit marqueur. Donc, on va commencer par le shopping. Ici, j'ai prévu de mettre 50 euros. Hop, je fais mon petit V et je prends 50 euros. Hop, je vais faire comme ça, 20, 40 et 50. J'espère que de votre côté, bah, vos épargnes, vos défis, tout se passe bien. Hop, je vais remonter encore un petit peu. Voilà, j'espère que bah, tout se passe bien de votre côté. Ici, hier, autant hier, il faisait hyper beau. D'ailleurs, je suis allée travailler dehors, ça m'a fait un bien fou. Pouvoir un peu ranger, nettoyer. Autant là, heureusement qu'on est allé travailler dehors hier, parce que là, c'est une catastrophe. Alors, nous sommes le... je ne sais plus. On est quand? Ben, le 29, parce que vous voyez, j'ai pas été faire des courses. 29 du 2, j'y arriverai. Et j'ai dit que j'ajoutais 50 euros. J'avais dit que je tournerais la vidéo plus tôt et bah, vous avez vu, je tourne le jour même. Plus 230 euros. Voilà. On va remettre correctement. Ensuite, pour la maison, j'ai prévu de mettre 30 euros. On va prendre le même marqueur, ce sera plus simple. 20 et 30. Vous avez vu que je n'ai pas de billet de 50. Tout simplement puisque déjà, moi, ma banque, ce qui est bien, c'est que je peux choisir les billets. Mais il y a un montant maximum pour les billets, c'est 25 billets par sorte. Mais vu que j'avais de l'argent, que je devais les remettre sur mon compte, que je n'avais pas été mettre, je me suis dit, ben, je vais les garder. Et comme ça, j'ai retiré moins. On est toujours le 29 du 2. Et j'ai dit, je ne sais plus, vous voyez ce que je vous disais, je parle et je ne sais plus, 30 euros. Ce qui fait plus 135 euros. Voilà, les animaux, ce sera directement sur le compte, ça je vous avais expliqué. Pour les extérieurs, j'ai prévu de mettre 30 euros aussi. Hop, 20 et 30. Voilà. Le 29 du 2, plus 30, et on est donc à plus 360 euros. Ça c'est bien, l'extérieur, je suis contente. Ça monte bien, après, on le sait tous, à l'extérieur, ça coûte hyper cher. Le moindre truc qu'on fait, je trouve que ça va vite. Après, ça dépend aussi si on n'a pas un grand extérieur, ça va. Voilà, bêtement, moi, vous savez, j'adore les fleurs, j'adore les plantes. Si peu qu'on doit aller acheter un sac de terreau, un sac de copeaux, les plantes, eh ben, on a vite usé 50 euros qu'on n'a rien vu. Pour les anniversaires, j'avais rien prévu. Pour les promos, là, j'avais ajouté, je crois, 20 euros. J'avais pas mis grand-chose. On peut pas mettre partout, hein. Ou alors on peut mettre partout, mais pas des gros montants. 20 euros. Donc là, j'avais bien fait chuter. Bah, c'est pas grave. Enfin, 29 du 2 plus, j'ai dit 20 euros. Et on sera donc à 120 euros. Et quand bah, le mois prochain, on remettra. Ou peut-être tout simplement, vous le savez, hein, moi, une fois que je finis mes défis, 2 euros, 1 euro, je les remets dans mes épargnes, donc le défi de 2 euros, je crois qu'il ne manque pas grand-chose, donc je pourrais le remettre dedans. Et pour l'école, j'ai prévu, donc vous voyez, extérieur, j'avais déjà pas fait mon petit V, Noël c'est bon, école, j'ai prévu 70 euros, là c'était plus. Et je sais en plus de ça qu'au mois de mai, c'est au mois de mai,
quoi, je pense que c'est mois de mai. Il y a le spectacle de danse de ma fille, donc là, il y a tous les places à prendre et tout. Donc là, je sais qu'il va falloir que je monte un petit peu l'enveloppe. Ce que je rappelle, à l'école, c'est sport, c'est tout. Hein. Donc, le 29 du 2, et j'ai dit plus 70, ça fait plus 120 euros. Moi, je trouve que si l'argent pouvait rentrer aussi vite que ce qu'il ne part, eh ben, on serait tous riches. Hein, parce que là, franchement, ça devient la folie. Alors, ça, c'est fait. Ici, je pense que j'avais rien mis. Ah si, voyage. Noël, c'est par carte. Et voyage, j'avais prévu de mettre 20 euros. Je vous ai dit, je partirai sûrement pas en vacances. Je vais regarder, j'ai toujours pas demandé à ma fille si elle intéressait de partir en colonie de vacances. Mais on s'est prévu de faire peut-être un petit week-end par-ci, par-là. Donc, quand même des sous aussi. Hein. Le 29 du 2 plus 20. Et ça fait 4, 5, 6, 765 euros. Puisqu'on a prévu, mais bon, c'est pas encore sûr, au Touquet. Au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous connaissez, il y a des cerfs-volants. Vous voyez, il y a plusieurs, ça dure d'ailleurs une semaine. Mais bon, nous, je crois que ça se termine le week-end où il commence à être en vacances. Donc, on partirait peut-être 2 jours. Hein, on partirait pas non plus une semaine. Mais c'est vrai qu'on les avait vus il y a 2 ans. Et on avait trouvé ça super beau. Puis, ça change un peu de tout la routine, j'ai envie de dire. Donc, peut-être qu'on partira là. Je sais pas si vous connaissez. Dites-le-moi en commentaire. Et maintenant, on va remplir celle du mois. Et on va faire la semaine en même temps. Comme ça, c'est plus simple. Alors, alimentation. Pour ce mois-ci, j'ai prévu 320 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je vais mettre 50 euros parce qu'on arrive à la fin. Voilà. Alors, vous le savez, je note plus ce que je dépense là, ce que je dépose, pardon. Par contre, alors j'ai mis le désordre. Hop, on va faire comme ça. Course. Par contre, je note là tous mes dépôts, mais pas non plus. Pareil, quand je vais faire des courses, je ne note plus. Hein. Hop, on est toujours le 29 du 2 plus 50. Et je suis donc à plus 50. Voilà. Ensuite, pour les animaux, qu'est-ce que j'avais dit? C'est là que j'avais dit les animaux? Je ne sais plus. Ah oui, les animaux, je ne les ai pas pris puisque je vous ai dit hein, que j'avais fait une grosse commande, je crois que c'est ça. J'avais dit les 50 euros et que je devais aller chez... Je pense que j'ai rien prévu, je ne sais plus. On va laisser là, mais je suis pratiquement sûre que je me suis dit que les 50 euros, je les ai partirés pour pouvoir les mettre après directement sur mon compte. Maison, 40 euros. 1, 2, 3, 4... Je n'ai besoin de rien cette semaine, donc on va faire comme ça. Pour moi, j'ai prévu 50 euros. Je vais mettre 10 euros là. 1, 2, 3, 4. 40 euros ici. Et 10 euros dans Jenny. Je me tâte aussi à refaire un peu mes pochettes. Je les adore, hein, mais je les garderai. Je ne vais pas les jeter. Mais j'aime bien changer un petit peu. 29 du 2. Plus 10, et donc je suis donc à plus 10 euros. Pour les imprévus, j'ai prévu 160 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rappelle aussi que c'est les vacances. Donc 160 euros, ça paraît énorme, je le sais. Mais c'est attribut sortie loisir. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais déjà mettre 40 euros là. Imprévu. De toute façon, vous le savez, à moi, la première semaine, si je n'utilise pas tout mon argent, en règle générale, je laisse, à part les courses. 29 du 2 plus. J'ai dit 40, ah oui. 1, 2, 3, 4. Plus 40. Et je suis donc à plus 40. Je ne sais pas vous faire bouger. Et pour ma fille, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, je ne dis pas de bêtises. 20 euros d'argent de poche que je vais mettre là. Et les 20 euros que je laisse ici pour la cantine, malgré qu'elle ne mange pratiquement plus en cantine. Donc, je vais déjà marquer comme ça 20 euros poche. Comme ça, je sais que je lui ai déjà donné son argent de poche. Maintenant, on va refaire un tour un peu ensemble pour que ce soit plus facile.
Alors, bon, pour les courses, c'est mis. Donc, j'ai planifié 320 euros, j'y arriverai. Pour les animaux, j'avais raison. Je vous rappelle, j'avais fait une grosse commande. Et en plus de ça, je pense que j'ai le vétérinaire pour mon chien et que j'avais complètement oublié. Donc, comme ça, c'est bon. Pour la maison, j'ai prévu de mettre 40 euros. Donc, ça s'est rempli. Jenny, j'avais prévu 50 euros. 160 pour les imprévus. Et pour ma fille, j'avais prévu 40 euros. Donc, tout ça, c'est complet. Si ça va bien se fermer. Voilà. Et alors, je vais remettre tout dans l'ordre. Donc, pour ma fille, on a donné les 20 euros d'argent de poche. Pour les imprévus, j'ai déposé 40 euros. Pour moi, j'ai déposé 10 euros. Pour la maison, je n'ai rien déposé. Pour les animaux, je n'ai rien déposé. Je pourrais même l'enlever ce mois-ci puisqu'il n'y aurait rien dedans. Et pour les courses, j'ai prévu 50 euros. Je rappelle que les enveloppes peuvent aussi être un peu variables. Par exemple, bêtement, je n'ai rien planifié pour le budget alimentation de mes animaux, tout simplement parce que j'avais fait une grosse commande sur Tom & Co. quand il y avait une promo. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, je vois vraiment une grosse promo sur quelque chose ou je ne sais pas, moi, il me faut des friandises pour mes animaux, c'est pas parce que je n'ai pas planifié que je vais pas prendre. Si par exemple il me reste de l'argent dans mes courses, même si ce n'est pas de l'alimentation, moi d'ailleurs c'est marqué courses et pas alimentation, je peux très bien aller dans l'enveloppe courses et aller prendre par exemple 10 euros. Si j'ai pas, je peux très bien me dire ok, j'ai pas, je vais aller sur le compte des animaux et je vais reprendre quelque chose puisque de toute façon c'est pour les animaux. Je peux très bien aussi aller pour la maison imprévue. Les enveloppes, c'est là pour vous aider à gérer, c'est là pour vous faire des catégories, c'est pour qu'on soit bien précis, on sait qu'on a planifié autant dedans, parce que c'est vrai qu'au début, surtout quand on se lance dans les enveloppes, on se dit, avant, quand on faisait pas son budget, on avait 1400 euros, c'était 1400 euros pour un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ici, maintenant, je sais très bien que pour mon budget, ben, j'ai établi 320 euros pour les courses. Si maintenant, il me reste, je sais pas, même 50 euros fin du mois, c'est très bien de se les mettre en économie, mais vous pouvez très bien utiliser les 50 euros pour, de un, vous faire plaisir. Vous pouvez très bien utiliser 50 euros pour vous faire un peu de stock, pour les animaux, pour ce que vous voulez. Ce n'est pas parce qu'il vous reste de l'argent que c'est obligatoirement à mettre en épargne. C'est très bien si on met en épargne, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, j'ai envie de dire, attention, entre guillemets, quand on peut, bien sûr, c'est de mettre en épargne début du mois. Ça, c'est hyper, hyper important. Après, ce n'est que du plus. Moi, je suis hyper contente, vous le savez, justement, quand je finis tout simplement la semaine et qu'il me reste 10, 20 ou même 2 euros, bah oui, ça fait plaisir parce que de 1, on a bien établi son budget, 2, on a bien géré son budget et 3, ça nous fait des économies en plus et vous pouvez le mettre dans les défis. D'ailleurs, moi, vous le savez, les défis, j'ai le défi des 1 euro, 2 euros, le défi des pièces, parce que, ben voilà, avant, je ne le faisais pas, mais franchement, ça fait monter beaucoup. Et j'ai le défi des 500 euros. Donc, forcément, moi, ça me fait hyper plaisir de me dire, OK, il me reste 10 euros, je mets dans le défi des 500 euros, mais c'est en plus. Donc, ne vous mettez pas la pression, si, surtout à l'heure actuelle où tout devient dur, si, fin du mois, vous n'avez pas su avoir de l'argent en plus dans vos enveloppes, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai mis de l'argent début du mois de côté, chose que je faisais peut-être pas avant. Et ce qu'il y a en plus, c'est en plus. Mais pensez aussi à vous faire plaisir. Et ça, c'est hyper important parce que si vous voulez tenir sur la longueur, il va falloir se faire plaisir. Il va falloir aussi pouvoir un peu lâcher du lest. Hein. On ne peut pas priver toute sa famille parce qu'on a décidé qu'on voulait garder son billet de 10 euros. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire parce que c'est vrai que je reçois parfois des messages, mais de dire... Ah oui, mais j'ai pas su avoir fin de la semaine autant d'économies. Ce n'est pas grave. Ce que vous pouvez avoir, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, ben, c'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas en négatif et que vous avez mis un peu d'épargne, ben, franchement, c'est tip-top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail aussi. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, forcément, je réponds plus vite que sur YouTube. D'ailleurs, je suis un peu en retard dans mes commentaires. Je les ai tous lus. Hein. J'en ai répondu à certains. Mais je vais le faire, à mon avis, ce week-end. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que je ne lis pas. Donc, je les ai tous lus. Mais je n'ai pas encore répondu. Et je ne mets pas un cœur ou quoi pour dire j'ai lu. Non, j'aime bien de répondre. Mais je suis un peu en retard. Je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis de toute façon à lundi pour une prochaine vidéo. Bah, ce sera déjà la clôture de la petite semaine. J'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Hein. Et bien sûr, je vous partagerai aussi lundi le menu de la semaine. D'ici là,
Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, amusez-vous et surtout prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!